Et c'est tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Lego Marvel Super Heroes 2. Et aujourd'hui justement on va faire le niveau de Cap et Épée. Alors j'ai commencé par la présentation des personnages parce que tout simplement il y a eu une mise à jour Windows 10 qui a mis de travers tous les réglages, voilà, pour l'audio. Et du coup j'ai dû régler ça et du coup j'ai pu tester ça avec la vidéo présentation de personnages et puis j'ai réglé le truc et puis c'est bon. Voilà, donc maintenant normalement l'audio doit être bon, j'espère. Donc c'est parti, non c'est pas comme ça qu'on fait, je vous dis pas, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, double danger. Hein. Donc je pense qu'on va commencer avec l'histoire, c'est parti. Enfin, de toute façon on peut que faire l'histoire pour l'instant. Voilà, ok. Alors. Ok mes chers fans de Gwen, l'histoire qui suit est peut-être un peu effrayante. En fait, il y a deux gamins, Tyrone et Tandy. Ils s'entendent parfaitement, mais ils ont tous les deux suivi le mauvais chemin. Ça nous est tous arrivé, mais il y a une sorte de génie criminel maléfique qui a fini par leur faire subir des expériences. Oh oh. Il aime tout particulièrement mélanger les produits chimiques pour voir la réaction. Un peu comme quand on mange des bonbons différents en même temps. Essayer un caramel avec un chewing-gum. Bref, on sait comment ça s'est passé. Les gamins ont fini par recevoir des pouvoirs dévastateurs. Lui, c'est la cape. Elle, c'est l'épée. La cape et l'épée, quoi. Revenons à notre génie criminel maléfique. Il doit bien avoir un super acolyte avec plein de pouvoirs. Ces gars-là ne travaillent jamais seuls. Ce qui veut dire que la cape et l'épée vont devoir utiliser leur tout nouveau pouvoir pour s'échapper du labo et vaincre les méchants. Bonne chance! Ok, d'accord, ça a l'air d'être un scénario qui est très 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 intéressant. Alors oui, alors aujourd'hui il y a eu un nouveau truc qui a été annoncé, c'est Lego les... Indestructible en français, je crois. Incredibles en anglais. Je sais pas trop comment ils ont traduit en français, mais enfin bref. Donc je sais pas trop ce que j'en pense de ça. Parce que. Dans un sacré alors. Pétrin. Je me demande s'ils vont parvenir à trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Alors, pour être clair, j'ai pas vu le film. Voilà, du coup, je peux pas vraiment commenter si c'est bien ou pas. Mais. Je sais pas, ça m'a l'air juste d'être très bizarre comme truc. Donc, enfin bref, hein, peut-être que chacun son opinion, j'imagine. Mais. Je sais pas trop ce que j'en pense pour l'instant. Voilà. D'ailleurs, il y a rien qui a été annoncé pour l'instant. Enfin, il y a eu un trailer qui est sorti et même pas en français, je crois. Je crois qu'il est disponible qu'en anglais pour l'instant. Enfin, peut-être que quand on verra la vidéo, il y aura le trailer en français. Mais bon, pour l'instant, quand j'enregistre cette vidéo, il y aura seulement en anglais. Donc voilà. Et voilà. Donc et puis il y aura aussi un autre jeu Lego qui sera, j'espère, bientôt annoncé. Et ah, c'est comme ça qu'il fallait faire. D'accord. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des crabes ou des araignées? C'est des crabes. Okay. Il y aura un autre jeu Lego qui sera annoncé bientôt, j'espère. C'est Lego, un truc avec les vilains de DC Comics. Voilà. Alors, bon, je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop en quoi ça consiste exactement. Il y a rien qui a été annoncé pour l'instant, mais il y a eu des rumeurs, des fortes rumeurs. C'est quasiment annoncé. C'est quasiment officiel. Voilà. On va dire comme ça. Alors, donc. Je me perds, qu'est-ce que je dois faire? Oui, je dois faire ça. Alors, ouais, parfait, on met un fusible. Enfin, c'est même pas un fusible, je sais pas. C'est un câble, voilà, un câble. Ok. Bien, la porte, c'est fait. Ouais, espérons quoi. Alors. Sauf que comment on sort? Ah oui, on fait comme ça. Comme à l'arrivée. Parfait. Ok. Donc, la porte, c'est fait, comme on dit. Alors. Ouh. Ok. Ah oui, son slam, il est tellement stylé. Enfin, le slam à l'autre, le slam à l'autre, là, comment il s'appelle déjà? Épée. C'est encore plus stylé, je crois. Ok. Ok, des bandits, comme d'habitude. Toujours des bandits, il y en a toujours. C'est incroyable. Ok. Oh là là, désolé. Ouh, c'est quoi là-bas, un mini-kit? Ah, je sais pas trop. Alors, bon, déjà, faut casser ça! D'accord, ok. C'est pour ça qu'il faut jamais toucher ça. Ah, je pense qu'elle peut faire ça. Attendez. Ouais, c'est logique. Épée. Faut couper des trucs comme ça, quand même. Parce que sinon, elle mérite pas son nom. Je pense que je vous ai dit, en français, son nom, c'est Poignard. Oh là là! Sauf que c'est tôt, elle est... Ouais. Faut pas aller dans ces tours.
Normalement, ça, quand on traduit littéralement, son nom c'est poignard, ce qui est un peu bizarre. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi épée. Qui a une attaque sonore? Ah, personne. Ok, d'accord. Et d'accord, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, mais il y a un truc là, mais je suis un bug moi aujourd'hui, hein. Comme d'habitude. Ok, c'est parti. Ouais, je sens que là je vais tomber, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais tomber. J'ai déjà commencé à tomber, vous voyez. Ah, espèce de... Voilà, parfait. On entend bien crier en tombant. C'est ultra marrant. Ok. Enfin, c'est pas marrant pour lui. D'ailleurs, pourquoi on peut pas casser cela? Ah si, on peut, ok. C'est un trou au milieu ou s'il y a du verre? Non, c'est un trou au milieu. Faut pas y aller au milieu. C'est pas mal ce niveau pour l'instant, j'aime bien. Alors. Oh, parfait. Ok. Oulala, tombe pas. Ah, 1 sur 5, ok. Je pense qu'on pourra pas tous les faire. Parce que c'est trop simple. Ok, d'accord. J'ai failli tomber encore une fois. Ok. On va réparer cette machine. Non, on va tourner cette machine pour faire je sais pas quoi. Ah, le pont est en place. Enfin, le pont. La caisse plutôt. Ok. Ah, des pigeons. Enfin, je sais même pas. C'est pas des pigeons. Qu'est-ce que je raconte? C'est des mouettes. Et on peut pas changer? Ok, parce que j'ai un truc que j'ai pas fait là. Voilà, faut le pousser peut-être, non? Parfait. Ouh. Ah, je me demande qu'est-ce qui se passerait si on poussait sur la personne. Attends, quoi? On peut pas sauter? D'accord, ok, bon. On devra faire le tour encore une fois. Oh là là. Je comprends pas pourquoi on peut pas sauter en fait. Peut-être que c'est trop haut en fait. Et du coup. Non, mais ils ont des super pouvoirs. Qu'est-ce que. Hein? Attendez, quoi? Du coup. Ah, c'est pas très logique leur truc. Parce que... Ah d'accord, lui il doit rester en haut. Mais qu'est-ce que lui il fait là? Ok, c'est ce qu'il fallait faire ou pas? Parce que... Oh là là! Ah, 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 vite! Ah putain de merde. Crève. Allez, c'est bon. Ok. Il faut jamais tomber dans cette eau. Parce que cette eau là, elle est juste pas possible. Ok. Construit, construit, construit. Iron Man, pourquoi? Ah, pour les objets métalliques. Okay. Ah, il y a beaucoup d'objets métalliques. Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce que ça fait là? Il faut que je fasse quoi avec ça? Et... Je... D'accord, ok, bon. Bon, déjà, faut tourner ça. Voilà, maintenant la cape pourra venir. Ouh, okay. Encore un problème résolu. Quelle est la suite pour ce duo de casse-cou? Ouais, alors, j'ai pas encore compris qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Ah, la cape peut devenir invisible. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Épée, viens pas. Voilà, c'est bon. Alors, sauf que à quoi sert ce truc? Parce que je l'ai cassé, il est revenu. Ça veut dire qu'on doit faire un truc avec ça, non? On peut le conduire? Oh oh, nos héros ont interrompu un braquage de blackout. Il va pas être content, c'est sûr. Ouais, un braquage. Il joue avec des canards là. C'est n'importe quoi. Bon, je pense qu'on n'aura pas besoin de ce véhicule alors. Je le comprends pas trop, hein, vraiment. Ok, c'est bon. Ah, on va essayer de le frapper. Yes, parfait. Bah dis donc. Je pense qu'on l'a pas battu encore, mais je pense qu'on aura un boss fight. Alors, ouais, sauf que, hein, merci, comment on fait pour monter là-haut? Peut-être qu'il faut épée, elle a un double saut, normalement elle pourra l'atteindre, et je crève encore. Crève, allez. Ok. Donc, où est épée? Qu'est-ce qu'elle fait là encore? Ok, c'est bon. Acrobatie, c'est parti. Elle peut aller de l'autre côté ou pas? Ou est-ce qu'elle peut pas? Croyez qu'un peu. Ok, c'est bon, un peu. Ah! Parfait.
On va essayer de l'amener en haut. Peut-être sur ça. Parfait. On a réussi. Ok, je pense qu'on pouvait pas normalement. Je sais pas. Je sais pas trop. Hein. Hop, ok. Bon, des tas de crabes encore. Qu'est-ce que ça fait? Ah d'accord, maintenant on peut sauter. Et maintenant on peut crever aussi, si on veut. Oulala. Là là. Je suis mort combien de fois dans ce niveau déjà? Juste à cause de l'eau en plus. C'est incroyable. Ok, on va construire ça, c'est parti. Ah, ça c'est pour cap. Pour la cap, parce qu'on dirait que je parle à Captain America quand je dis c'est pour cap. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un morceau de bois qui flotte ici. Ok. Et... Ah! Est-ce que je dois me mettre dessus? Vous pensez? C'est ça qu'il faut faire? Ah, comme ça on peut. Ok, d'accord. Parfait! Et du coup, ça c'est. Ah, voilà, maintenant ça c'est pour épée. Bon, épée, tu viens ou pas? Je comprends pas pourquoi épée ne vient. Cap, désolé. Tous à bord! Sauf toi, l'épée. Tu devrais probablement rester où tu es pour garder cette passerelle en place. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que la cape fait ici? C'est... C'est incroyable. Non, épée. Je vais rager. Bon, allez, vas-y, épée. Siège sur ce truc. Épée. Cap, tu restes là. Voilà. C'est bon. Ah bah, c'est pas compliqué. Aïe, aïe. Ils sont enfin ensemble. Gwenpool, ta gueule. Ok. Ok, d'accord, c'est bon. On y va. Alors. Oh, canne à pêche. Faut la casser ou faut le bouger? Faut le bouger. Hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir pêcher cette fois? Tous ces pouvoirs super cool. Et ça atterrit sur la tête de la cape. Pour l'art de la pêche. Mais ils sont bons dans tout ou quoi? Ouais, bah écoute. Et un truc que j'ai jamais compris avec les super-héros, ou les héros dans n'importe quel... Enfin, pas dans tous les films non plus. Par exemple, dans Tintin, par exemple. Tintin, il sait conduire tous les trucs au monde. Les sous-marins, les hélicoptères, les avions, les motos. Et vraiment, je sais pas où est-ce qu'il a appris ça. Hein, c'est pas très logique tout ça. Enfin bref. Blackout a des sbires pour faire le sale boulot. Oh là là. Je devrais peut-être en avoir aussi pour faire mon boulot. Espérons, parce que j'ai pas envie d'entendre ta voix en fait. Oh là là, ok, ça passe. Ok, c'est bon, allez, lance les derniers trucs, toi. Tu les lances ou pas, tes deux dernières boîtes? Aïe. Oui, il les a lancés, on dirait. Ok, c'est bon. Blackout. Oula. Ok. C'est bon. Oulala là là. Ok. Ah bon, lui, il rigole pas, lui, hein, Blackout. C'est bon. T'as fini de lancer tes trucs, là? Faut t'attaquer, maintenant. Oulala là là. Voilà. C'est bon? Non, on peut toujours pas l'attaquer. Ok. Il y a que des sbires pour l'instant qui arrivent. Et lui, c'est même pas un sbire, d'accord. Ah, c'est bon, on peut l'attaquer maintenant. Parfait. Aïe. Bon, on va changer la cape à l'action. Ouh, la cape fait de bons dégâts. Ok, ah wow, on va mettre ce truc en place. On dirait bien que quelqu'un s'est levé du pied gauche ce matin. Ouais, ok, si tu veux. De toute façon, les pièces des Lego, on peut les changer. Hein. Pied gauche, pied droit, il n'y a pas de différence. Enfin, si, dans certaines pièces, oui. Ok, c'est ça qu'il faut faire, je crois, non? Ok, c'est bon. Bon, il a fini, là. Ok. Ben, c'est quoi? On va juste y aller au hasard, comme ça. Parce que, de toute façon, voilà, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai pris la peine de viser alors qu'il faut faire comme ça. Allez, c'est bon. On y va. Ok. Ouh là là. Ok. Ouh là là là. Ok.
Ouh là là. Ok, d'accord, d'accord. Ça c'est... Ok, je me rends l'épée parce que... Elle a au moins une attaque à distance et je suis presque mort. C'est pas bien ça. Ah là 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 là. Ok, c'est bon. Allez. Non mais je, pas... je fais pas de dégâts en fait, c'est ça le problème. Je comprends pas pourquoi. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là? Il glisse? Ouh là 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 là. Ok, d'accord. Il me reste un demi-cœur. Ah non, je vais récupérer ce cœur. Zut. C'est bon? Oh là là, ok. Ah, il y a des moineaux là-bas. Ok, c'est bon. On va récupérer un cœur encore. Parfait. Ok, il y a des moineaux là-bas. Enfin, des pas des moineaux. Comment on appelle déjà des mouettes? Ok, c'est bon. On va l'attaquer maintenant. Ok, c'est bon. Parfait, parfait. Alors, on fait du bon dégât là. Ah, ok. On va encore aller en l'air. Qu'est-ce qu'il jette, cette fois? Ok. Est-ce qu'il les jette ou est-ce qu'on doit les frapper? Non, il les jette. Ok. Parfait. Ouh là là. Et. Ouh là là. Ok. Aïe. Ok. On dirait que Blackout va passer un sale quart d'heure. Oh ouais. Ok. Parfait. En fait, on aurait dû l'attaquer depuis le début, en fait. On n'a pas besoin d'attendre qu'il termine de faire ses coups. Aïe, aïe. Ok, ok. Il y a un graffiti de Doctor Strange. Parfait. Parfait. Et attention, attention. On est presque. On est presque, on est presque. Allez. Il reste un tout petit peu de vie. Aïe, aïe. Parfait. Alors, c'est ça Blackout? Il a pas résisté longtemps, hein? Et voilà ce qui arrive quand on joue avec la force obscure, les enfants. Je sais ce que vous pensez. Qu'est-il arrivé au génie criminel maléfique? Il y a quelque chose de pas net. Mais j'arrive pas à savoir quoi. D'après moi, la cape et l'épée devraient profiter de leur pouvoir. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. On a ce qu'on reçoit. Voyons le côté positif. Ouais, faut toujours voir le côté positif des choses. Bon. Eh bien, on dirait que le professeur s'est enfui, hein. Ok. Bah, c'est fini le niveau. Succès peu fréquent déverrouillé. Peu fréquent déverrouillé, ça se dit peu fréquemment déverrouillé, non? Vous avez terminé double danger. Ok. Niveau numéro 3 des DLC, j'imagine. Une brique dorée et deux briques dorées, normalement, pour le 100% pièce aussi. Il n'y a pas de musique, ça dérange. Ok. Ensuite. Pièce. On a combien? Presque 4 millions de pièces. C'est déjà pas mal. Hein. Pas de mini-kit et pas de stand-by. 10 mini-kits dans ce niveau. Où est-ce qu'ils ont foutu ces mini-kits? Ok, tout un tas de personnages que j'ai déjà présentés lors de la dernière vidéo. Et je pense qu'on va quitter ce menu. Voilà. Ok. Donc ouais, ce niveau vraiment, je crois que c'était le meilleur niveau DLC qu'il y a eu pour l'instant. Après, je pense que Infinity War ça va être meilleur parce que je sais pas. Après, je sais même pas quand ça arrive parce que le film il sort le 27, je crois, et le DLC du coup ça doit être un peu avant parce qu'ils le font toujours avant, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Ok. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo, j'imagine. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, dans laquelle on va faire je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui m'ont demandé si je peux faire de la customisation de personnages. Oui, j'en ferai, ne vous inquiétez pas. Il faut juste que j'aille plus de pièces de personnages pour avoir plus de choix. Voilà. Ok. Donc, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.